The Human Centipede ou Serbian Film. Ça se regarde pas trop en famille. Bonjour, c'est Xavier Jean sur Sens Critique pour la sortie de Cold Skin le 17 juillet 2019. C'est que j'ai emmené voir une copine quand j'étais ado, il y avait Crash de Cronenberg qui était sorti, je l'ai emmené voir Crash. Donc je suis resté tout seul à la fin du film. Ah, c'était un long film, ouais. Mais elle est partie au bout de trois scènes. La troisième scène, par expérience, c'est une catastrophe, enfin, ne faites pas ça chez vous. C'est pas un nanar pour moi, mais ça a la couleur du nanar, ça ressemble à un nanar, mais Bad Taste de Peter Jackson, qui pour moi est immense. C'est considéré pour beaucoup comme un nanar, mais le film est tellement ouf. Et ça, je prends un immense plaisir à regarder Bad Taste, Les Feebles, c'est Brain Dead avec mes potes. C'est vraiment un truc de violence fun, de gore assumé, mais dans la comédie. Et je trouve ça, ces trois films, pour moi, c'est la Sainte Trinité de mon adolescence. Et j'ai dû les voir, je sais pas, 50 fois avec mes potes. Dernièrement, l'énorme claque que je me suis pris, que je trouve être un film qui est pas très connu, c'est Borders, qui est un film finlandais ou danois. Écrit par l'auteur qui avait écrit Letter to Antonin, Morse, et c'est extraordinaire. Je me suis vraiment fait avoir par le film, je suis rentré dedans et je savais pas où ça allait m'amener. Et je me suis pris une claque monumentale. Vraiment, je conseille ce film, c'est énorme. C'est un petit film, c'est finlandais, donc faut pas hésiter une seconde, c'est ouf. J'ai été voir Coco avec ma fille. Quand la lumière s'est rallumée, tous les parents se sont regardés, on était tous en larmes. Je trouvais ça fou parce que pour un Pixar, je ne m'attendais pas à me faire accueillir comme ça. J'en pouvais plus, en fait. C'était une catastrophe. C'est Robocop de Verhoeven avec Gareth Evans. On s'est fait le délire le week-end dernier d'aller voir trois films. On a été voir Robocop en salle. True Romance, c'est Natural Born Killer. On s'est fait un triple feature. Je suis en train de travailler sur le remake des Bonnes Manières, en fait, qui est un film brésilien qui était sorti il y a 2 ans, que je trouve incroyable. C'est un film qui mérite d'être découvert, qui mériterait une réadaptation, peut-être plus européenne ou plus anglo-saxonne. Enfin, pour moi, ce film-là est vraiment intéressant à réexplorer. Memories of Murder, je me le fais une fois tous les 2-3 mois, j'adore ce film. Et ouais, c'est pas coupable, un peu. Le Blade Runner de Ridley Scott, c'est une première claque esthétique que je me suis pris comme spectateur quand j'étais môme. Donc ouais, je dirais Blade Runner et Rencontre du troisième type. Je trouve ça tellement beau, tellement maîtrisé, c'est sublime. C'est plus en série, tu vois, c'est ce qu'on peut voir sur Handmaid's Tale par exemple. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très effrayant dans le réalisme que ça évoque en fait. En film, c'est plutôt Gattaca. Bienvenue à Gattaca de Andrew Niccol. Je trouve vraiment... pareil, vraiment intelligent sur son point de vue sur la société, comment s'intégrer et tout, c'est plutôt très très bien écrit. Si vous voulez voir Cold Skin, donc c'est le 17 juillet, et j'ai un film que j'ai produit qui sort le 9 octobre, qui s'appelle Puppy Chat, et qui était à Cannes à un certain regard, et pareil, c'est vachement bien. Et je pense que ça peut vous plaire beaucoup. C'est différent, c'est pas du fantastique, mais c'est un premier film et il faut soutenir le premier film. Super. Merci à vous.